Gilles, dit Gilou. Il vit ici depuis 1974. Je l'avais vu à l'époque pour la première fois, ici à Monoblet dans les Cévennes. J'étais venu aider le tournage d'un film documentaire sur Fernand de Ligny. De la pratique de Fernand de Ligny, je ne savais rien. Mais ce qu'il avait mis en place dans les Cévennes commençait à faire du bruit. Un réseau d'aires de séjour où des adultes vivaient avec des enfants autistes, mutiques, réputés irrécupérables. Le point de départ était radical. Pour ces enfants, de Ligny ne parlait pas de guérison. Ils cherchaient à inventer une vie commune, hors du langage. Des parents d'enfants autistes, désespérés de ce que proposait la médecine et l'hôpital, voyaient dans cette tentative une manière de sortir de l'isolement. Dans une émission de radio, la mère de Bruno raconte. Et quand il avait des crises, qu'est-ce que vous faisiez? Ben, j'essayais de le calmer. Je le tenais surtout pour pas qu'il se fasse mal. Et j'ai essayé de le calmer en lui parlant, tout ça, mais ça faisait rien. Ça reprenait aussitôt. Il était tranquille. Tout d'un coup, il s'asseyait par terre. Il se jetait par terre, disons, et il se tapait la tête par terre. Après, il allait sur un coin de table, il se cognait sur un coin de table. Après, avec le revers de sa main, il cognait sur les coins de table. Et il allait contre les murs. Il allait carrément. C'est lamentable. C'est terrible. Oui, votre fils qui se massacre, on peut pas supporter de voir son enfant comme ça. Moi, je pensais que j'allais devenir folle. Je pouvais pas le supporter. Il avait plein de médicaments à base de cardénal. Et ça le calmait pas. Il avait même des chutes de cheveux tellement il prenait des médicaments. On n'a pas pu attendre. C'est là qu'on a été voir M. de Ligny. Il a compris tout de suite, lui, ce qu'il fallait faire. La première chose qu'il a fait, d'ailleurs, quand il a pris Bruno, c'est d'enlever tous les médicaments. Il m'a dit, les médicaments, vous les gardez en souvenir, si vous voulez. Il dit, moi, je lui en donne pas. Voilà ce qu'il peut en dire, le psychiatre, qui s'efforce de dire au plus vrai de ce qu'il en voit et de ce qu'il en sait. Incurable, insupportable, invivable, incurable. Invivable, alors, la société a tout prévu, et même des lieux où invivre le soit prévu. Et il se trouve que ce lieu-là prévu pour, je le connais. À 20 ans, je pensais volontiers que j'étais né pour écrire. À 30 ans, je me suis retrouvé éducateur principal dans un institut médico-pédagogique, dépotoir régional où des centaines d'enfants anormaux, pour la plupart délinquants plus ou moins chevronnés, espéraient leur retour à la vie normale. Quelques mois après les avoir quittés, j'ai eu envie de les décrire, comme on parle à sa femme, des amis du collège ou du régiment. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. En 1938, Fernand de Ligny entre comme instituteur à l'asile psychiatrique d'Armentières. Ce qui sépare un asile d'une prison est à l'époque bien mince. À Armentières, il y a un seul psychiatre et aucun infirmier. Seulement des gardiens pour 1200 personnes jugées dangereuses pour la société.
Nommé instituteur spécialisé d'une classe d'enfants dits anormaux, Deligny se montre tout de suite attentif aux circonstances qui permettent à l'asile de devenir un refuge plutôt qu'une prison. Je crois que je leur apprenais rien. Et c'est justement parce que je n'avais pas à leur apprendre que je me trouvais à l'aise comme instituteur. Personne au monde ne me demandait qu'ils apprennent quoi que ce soit. Mais, par la force des choses, ils apprenaient quand même. Je leur lisais des poèmes tous les jours. Je leur mettais de la grande musique sur un pick-up qui était là. Je faisais des remarques étonnantes. Il y avait une symphonie de Beethoven et aussi des disques de musique militaire. Et sur le pick-up de la classe, les gamins étaient fascinés quand c'était Beethoven et ils n'en avaient rien à foutre de Sambre-et-Meuse. C'était stupéfiant. On s'attend à ce que des débiles profonds... Pas du tout. Pourquoi ils écoutaient mieux Beethoven que Sambre-et-Meuse ? Parce que le disque était gondolé. Il y avait un reflet de lumière sur le truc d'aluminium. Le point de lumière qui dansait, tous fascinés. Je vous jure qu'il faut être drôlement critique pour s'être aperçu de ça. Au lieu de sauter sur ils préfèrent la grande musique à la musique militaire. D'avoir trouvé ça, moi, j'étais heureux pendant 2 ans. Pendant la guerre, une histoire d'évasion fait le tour de la ville. Une histoire que Deligny racontera à son tour toute sa vie. Lors des bombardements allemands de mai 1940, 3 pavillons de l'hôpital prennent feu. Profitant du chaos, 200 malades se font la belle et disparaissent dans la nature. Au bout de quelques semaines, on en rattrape une petite moitié, mais les autres. Plus tard, on en retrouvera quelques-uns, menant une vie tranquille, avec un travail et parfois une famille. Et Deligny, de rire, c'est donc qu'ils n'étaient pas si fous que ça. Et on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Il s'agissait de vivre dans une espèce de coffre-fort. Porte fermée tout le temps. Soigneusement. Des gars de 15, 16, 17 ans, ça fait mal aux yeux. Surtout qu'on sait que dans le fond, ils feront le tour des pavillons puis ils sortiront par la morgue comme les autres. Et alors, avec les gardiens, là, on a tenté quelque chose. Il s'est tenté quelque chose. C'est-à-dire de changer de fond en comble les habitudes de ce pavillon. Je crois que c'est surtout parce que des gardiens en avaient marre de quelque chose. Et que j'ai pu servir d'articulation de quelque chose. Parce que moi, je n'étais pas dans la fonction de gardien, étant instituteur à la dérive. Je n'étais pas non plus médecin. Mais pour que ça puisse se jouer, il fallait quelqu'un qui ne soit pas pris dans la mécanique, qui ne soit pas pris
dans la fonction. Or, moi, je n'avais pas du tout l'intention de faire carrière. Dans rien. Ni dans l'instruction, ni dans l'asile, puisque dans le même temps, j'écrivais. Dans ma tête, j'écrivais. Le régime asilaire étant bousculé, les gamins avaient changé de pavillon. Ils allaient dehors, ils allaient au stade, ils allaient je ne sais pas où. Ça bougeait beaucoup. Et la notion de surveillance avait bien disparu. Ça avait basculé assez rapidement. On avait fait des ateliers, les gamins y travaillaient, ça avait bonne allure. Ça marchait bien. Il n'y avait plus de punition. Ils allaient faire du sport, on faisait du théâtre, il y avait une équipe de football. La seule chose dont j'ai conscience de l'avoir non pas faite, mais dite, c'est de dire, bon, à partir de maintenant, il n'y a plus de sanctions. Je suis parti parce que quelque chose comme ça doit continuer sans cesse. Ça aurait pu durer sur ces normes-là, vous voyez. Un peu de sport, un peu d'atelier, un peu de théâtre. Ça aurait pu continuer longtemps. Mais c'était, somme toute, réitérer un climat asilaire un peu amélioré. Alors je suis parti.1945, Graines de crapule. Le livre s'ouvre sur un jeu de mots. Conseil aux éducateurs qui voudraient la cultiver. Mais les conseils de Deligny sont à double tranchant. Les courts paragraphes sont autant de morales ironiques et parfois amères, issues de son travail au sein de l'Association de la sauvegarde de l'enfance, où il a été nommé au sortir d'Armentières. Il veut des images. En vis-à-vis des textes, il signe tous les dessins. Quand tu auras passé 30 ans de ta vie à mettre au point de subtiles méthodes psychopédiatriques, médico-pédagogiques, psychanalo-pédotechniques, à la veille de ta retraite, tu prendras une bonne charge de dynamite et tu iras discrètement faire sauter quelques pâtés de maison dans un quartier de taudis. En une seconde, tu auras fait plus de travail qu'en 30 ans. Il faut savoir ce que tu veux. Si c'est te faire aimer d'eux, apporte des bonbons. Mais le jour où tu viendras les mains vides, ils te traiteront de grand dégueulasse. Si tu veux faire ton travail, apporte-leur une corde à tirer, du bois à casser, des sacs à porter. L'amour viendra ensuite. Et là n'est pas ta récompense. Me voilà depuis bientôt 10 ans parmi ceux qui veulent mettre le feu aux fermes, volent le charbon dans les péniches, ceux qui fraudent et qui vagabondent, ces racailles de moins de 18 ans, qui criment, ingrates, assistance publique et se masturbent l'existence. À Georges Herschelbout et Henri Glory, ouvriers, et à tous les camarades délinquants et éducateurs de l'ex-centre d'observation de la région de Lille. Ce petit livre bleu, je l'ai lu en 1975, quand les éditions François Maspero y avaient réuni les premiers écrits de Deligny. Ce livre, resté célèbre dans le milieu des éducateurs, évoque son expérience à la Libération, dans un centre d'observation dit de « triage » de jeunes délinquants du Nord. Quand l'administration, effrayée de ses initiatives, ferme le centre, Deligny décide alors de créer pour des adolescents délinquants et psychotiques de nouvelles occasions qui leur rendraient le goût de vivre. Il donne à son projet un beau nom qui évoque le risque et la solidarité. La Grande Cordée.
C'était des gamins qui étaient passés en hôpital psychiatrique, qui avaient tout pris. Électrochoc, insuline, enfin tous les traitements de choc possibles. Puis quand même, quelqu'un avait dû se dire qu'il n'était peut-être pas si fou que ça. C'était pas des bons vrais fous qui se tenaient bien comme il faut pour des fous. C'était des gosses difficiles. Ils avaient quand même une espèce d'histoire psychiatrique assez nourrie. C'était un rituel. Quand les gars arrivaient à la grande cordée, le dossier était là, arrivait avec l'assistante sociale qui accompagnait le gamin. Alors le gamin étant là, j'attrapais le dossier et je mettais tout dans le feu. En général, ils étaient plutôt contents, parce qu'ils se doutaient bien de ce qu'il y avait là-dedans, de tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'on avait dit d'eux. Enfin, tout ça, les diagnostics, tous les traitements, toutes les choses. Il y avait quelque chose là-dedans dont ils connaissaient l'importance déterminante. Il valait mieux s'en débarrasser tout de suite, faire un peu table rase de tout ça. Alors ils regiclaient comme ça la grande cordée, qui était apparemment une tentative expérimentale de prise en charge en cure libre d'adolescents psychotiques. La classe ouvrière refusera de voir une fraction grandissante du nombre de ses enfants traités d'anormaux et traités en tant que tels au nom d'une fausse science et voudra organiser elle-même le sauvetage rapide et efficace de la plupart d'entre eux pour qu'ils échappent à la fausse psychiatrie, pour qu'ils échappent à la délinquance chronique, pour qu'ils ne se laissent plus recruter comme mercenaires des guerres colonialistes. La grande cordée. Fernand de Ligny, sa femme Huguette Dumoulin et une amie José Mananti, tous trois militants du Parti communiste, envoient les jeunes dans des séjours d'essai aux quatre coins de la France, dans le réseau des auberges de jeunesse, un réseau militant alors en plein essor. Les jeunes formulent alors un choix, mécanicien auto, bûcheron, pilote, paysan, tout est possible. D'où, de notre part, la mise en œuvre systématique, à chaque prise en charge, d'un déracinement qui amenait tel jeune habitant de Saint-Ouen dans un petit village de montagne, ou tel jeune solitaire orgueilleux en pleine caravane d'adolescents. Toute notre attention se portait alors sur les amorces de comportements inhabituels provoquées par et nées de ces circonstances nouvelles. Mettre un petit anxieux dans un planeur qu'il tenterait de piloter et voir certains de ses comportements antisociaux en disparaître, mettre telle petite esthète d'un égocentrisme quasi délirant, écœuré d'existentialisme funèbre, en plein grouillement enfantin d'une colonie de vacances, et le voir se transformer en un moniteur juvénile, enthousiaste et dévoué, autant de faits observés s'ajoutant à des centaines d'autres. Quand j'en entendais plus parler, c'est qu'ils étaient supposés guéris. Puisqu'on les revoyait plus, c'est qu'ils étaient guéris. Ça s'est avéré vrai, quelquefois. Hein? Et puis, dès que le climat des auberges a baissé, c'était plus possible. Et puis, c'est plus compliqué que ça. Il aurait fallu accepter d'être institutionnalisé, vous voyez. Pas conciliable. Alors ça s'est arrêté. Quitte à continuer avec ceux des gamins qui s'étaient pas résorbés dans l'existence comme elle est. Il a fallu faire avec eux des étapes comme ça, dans le Vercors. Et puis après, de ricochet en ricochet, toujours en vivant avec ceux qui restaient dans la grande cordée. Prenons le Vercors vers 1954. Le projet, tenir là. Nous étions peut-être une vingtaine, je n'ai pas compté. Une 4 chevaux émérite, deux femmes,
une troupe d'adolescents plus ou moins délinquants pour ce qui concerne les uns, psychotiques pour le reste, dans une vaste tente blanche, c'était l'été. Les uns et les autres, nous étions rescapés de la grande cordée récemment sabordée. Il y avait ceux qui restaient aux abords de la tente et ceux qui projetaient tempête sur l'Asie en 16 mm dans les moindres villages. Ça leur faisait un peu d'argent. Ils le savaient tous qu'ils auraient dû être enfermés, soit en tôle, soit en service psychiatrique. Ils connaissaient les lieux, ils en venaient. Ce qu'ils étaient capables de faire pour peu qu'ils s'y mettent dépassait toujours et de beaucoup ce à quoi je m'attendais. Ils portaient des arbres d'un bord à l'autre du torrent. Ils s'en prenaient aux pierres qui rendaient le chemin impraticable pour la voiture. Et moi je me disais, pour rien, dans quelques semaines nous serons partis. Mais de ça, eux, ils s'en foutaient pas mal. La peine qu'ils avaient pris, ils ne la plaignaient pas, ne la marchandaient pas. À les voir faire, les événements comme la longue marche se comprennent mieux. Des films dont je parlais au ciné-club, il peut arriver que de leur titre et de l'auteur et des acteurs je me souvienne, comme L'étoile de mer de Man Ray. Pour les autres, les mauvais, dont je ne me souviens pas, il est flagrant que des images en persistent, mais allez savoir où. Elles doivent se promener comme des esquilles de ferraille dans la chair d'un ancien combattant. Pendant que j'écris, la caméra est sur ma table, sans munitions. Nous n'avons plus de pellicule à nouveau depuis 2 jours. L'arme automatique est muette. C'est vers 1947-1948 que dans le projet est apparu quelque chose qui a persisté, une caméra. Non pas qu'elle ait fonctionné sans arrêt, loin de là. D'abord, nous n'avions pas de pellicule, ça coûte trop cher. Mais qu'importe. Imaginez une dizaine d'individus, et puis les mêmes, plus une mitrailleuse. Le fait qu'ils aient ou n'aient pas de munitions ne change pas grand-chose au fait de la mitrailleuse qu'ils ont là avec eux. Tout autre est la dizaine du moment qu'il y a cet engin. Ce photogramme, c'est tout ce qui reste d'un film réalisé par les adolescents de la Grande Cordée. L'image nous est parvenue parce qu'elle illustre le texte de Fernand Deligny, « La caméra, outil pédagogique ». Un manifeste publié en 1955, écrit à la suite d'une longue série de petits tournages, séquences d'un film jamais terminé, dont les jeunes étaient les scénaristes, acteurs et réalisateurs. Le film leur donne une raison d'être. Ils ont une preuve à faire. On les a traités de caractériels, de déficients, de malades, de déchets.
Ils peuvent devenir des exemples. Avec la caméra, le monde les regarde, le monde des autres qui n'avaient rien à faire d'eux et seront tout à l'heure les témoins de ce qu'ils font chaque jour. Mise en scène ? Non. Mise en vue, mise au clair, mise en public. Saint-Yor, le 20 août 58, à François Truffaut. Si vous croyez que je peux vous aider, je serais très content de le faire. À première vue, ce qui me gêne dans votre scénario, c'est que le héros soit en dehors de la délinquance juvénile habituelle et que la psychologue joue un rôle qui semble déterminant dans l'histoire. Si vous pouvez venir passer un jour ou deux ici, je le verrai bien volontiers et vous dirai ce qui me passera par la tête. Ce dont vous ferez ce que vous voudrez, l'œuvre étant vôtre. Le seul fait que vous présentiez l'évasion sous un jour bénéfique me suffit pour vous aider de toutes les manières possibles. Fernand Deligny. Dites bonjour de ma part à André Bazin si vous le voyez souvent. Aux enfants arriérés, caractériels, déficients, délinquants, en danger moral, retardés, vagabonds, etc., etc., etc. Deligny publie en 58 son premier roman, Adrien l'homme. Son héros est un enfant sans père, un fugueur. À la lecture du livre, François Truffaut décide de contacter son auteur. Adrien l'homme lui semble bien proche de Antoine Doinel, le héros du scénario qu'il est en train d'écrire. Deligny et Truffaut ont un ami commun, André Bazin, qui avait connu Deligny dans une association d'éducation populaire à Lille après la guerre, Travail et Culture. Fondateur des Cahiers du cinéma, Bazin était pour Truffaut un père spirituel. C'est lui qui s'était porté garant pour faire sortir le jeune Truffaut du centre d'observation où il avait été enfermé adolescent pour les dettes de son ciné-club. Intéressé par les remarques de Deligny, Truffaut, accompagné de son scénariste, descend à Saint-Yor pour discuter de la première mouture de son scénario, où à la fin, Antoine Doinel cassait un carreau pour s'évader. À la suite de leur rencontre, Truffaut modifie la fin de son film. Il s'arrêtera seulement quand l'écume viendra mouiller les semelles de ses chaussures. Il soulève délicatement un pied, recroqueville l'autre, recule, avance et recule à nouveau, se baisse pour ramasser un coquillage. Paris, le 29 octobre 1958. Cher monsieur, je vous prie de pardonner mon long silence. J'étais très absorbé par la préparation de mon film que je commence dans une dizaine de jours. Marcel Moussier et moi-même nous félicitons d'avoir fait le voyage à Saint-Yor, car votre collaboration dialoguée a été décisive pour la fin de notre scénario. C'est donc en tant que collaborateur des 400 coups que vous trouverez 6 juin un chèque de 25 000 francs que je vous prie d'accepter aussi simplement que nous avons parlé. Ce n'est pas grand-chose, mais si j'ai bonne mémoire, c'est le prix d'une chèvre de qualité suffisante. Mon meilleur souvenir à votre femme, vos enfants, à tous vos pensionnaires et naturellement aux chèvres. Bien cordialement vôtre, François Truffaut. »
Saint-Yor, le 8 novembre 1958. À François Truffaut. Nous avons été voir dans le Gard une maison entourée d'une cinquantaine d'hectares de cailloux entre lesquels poussent des châtaigniers rabougris. Il est fort possible que nous allions y vivre. Les chèvres y seront mieux qu'ici. Je serai toujours heureux de vous voir et de parler avec vous, ou même de vous savoir par là, en train de regarder. Toutes mes amitiés. Fernand de Ligny. La rencontre de François Truffaut, jeune délinquant, placé dans un centre d'observation des mineurs à Villejuif en 1948 et sauvé grâce au cinéma, et de l'éducateur Fernand de Ligny, initiateur de la Grande Cordée, qui croit aux vertus pédagogiques de la caméra, semble, quand on y pense, bien naturel. Ils vont s'écrire et s'entraider pendant 20 ans. Cher ami, j'imagine qu'il ne vous est pas facile de quitter votre travail. Pourtant, votre amitié a une grande part dans la décision que j'ai prise en janvier dernier de faire un film en y engageant tout ce dont nous pouvions disposer. Temps, imagination, énergie et argent. Je me suis dit et j'ai dit à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, allaient faire avec moi le moindre geste, le moment venu, François Truffaut nous aidera. Nous attendons votre réponse avant de tenter d'autres démarches si jamais vous ne pouviez pas nous aider pour le moment. Le héros du moindre geste est un garçon aux cheveux noirs qui marchait derrière un bouc, près de Saint-Yor, où vous étiez venu me voir avant les 400 coups et après Adrien Lhomme. Avec mon meilleur souvenir, Fernand de Ligny. Allez Yves. Vas-y. Viens. Rue de Chambre. Voilà. Crac. Pas la seconde. Oh merde. Ici de Ligny, cette espèce de bonhomme, c'est la main d'un garçon de 25 ans qui l'a tracé. Débile profond, disent les experts. Tel il est dans le moindre geste, tel il est dans la vie de tous les jours que nous menons ensemble depuis 10 ans et plus. Tel il est, pour nous, source intarissable de rire aux larmes, quoi qu'il arrive. Et, dans ce film comme dans la vie très quotidienne, porteur d'une parole dont je certifie qu'elle n'est pas la mienne. Peut-on dire qu'elle soit la sienne? Mais pourquoi faudrait-il que la parole appartienne à quelqu'un, même si ce quelqu'un l'apprend. Impeccable, Yvon.
José Manati, qui fait partie de la Grande Cordée depuis le début, accepte de financer, grâce à un héritage, l'achat d'une caméra et de la pellicule. Sans aucune expérience, plan après plan, c'est elle qui filme. Comme souvent avec Deligny, c'est d'abord la réalisation de l'idée pratique qui comptait. Assez peu le produit final. Le produit final, c'était sa réflexion et le travail avec Yves. Une fois que les tournages avaient été vécus, l'idée perdait de son sens. Si Deligny s'intéressait au cinéma au moment du moindre geste, c'était moins pour faire un film que pour mettre Yves en situation. Et encore, c'est moi qui le formule à sa place. Deligny en parlait à peine. Il disait simplement « on va faire un film ». C'était un objet commun pour une petite bande de gens. Une manière de nous mobiliser et régler la vie quotidienne. Le film faisait loi. Il est intéressant de chercher comment un milieu proche, habituel, familial ou éducatif accepte et entreprend de s'inventer, de se recréer en fonction d'un enfant en retard, à part, anormal, difficile. Mon projet en guidant la prise d'image était de donner à ceux qui les verraient leur part de cet être-là que je voyais et entendais vivre avec nous depuis 6 ou 7 ans. Tel qu'en ses attitudes, gestes et propos, il était familier et superbe, paroles vacantes et tout à coup loquace et vitupérant. Et dans le flou parlé, je reconnaissais à s'y méprendre cette parole qui nous fait ce que nous sommes et qui règne, universelle, historique, démonstrative, cocasse, meurtrière. Restons chez nous, mes amis, crevons-nous au ciel, là-haut, crevons-nous la terre, au ciel, tout ça. Restons chez vous, mes amis, comme au ciel est crevé, voyez bien, mes frères, ah, mes frères, voyez, je vais crever. La croix est devant vous, mes frères. Voyez, venez chez moi, je vous donnerai de l'eau bénite. Prenez le serment, allez dire ça au Seigneur là-haut. Donnez-moi votre cas, vos pieds, vous savez, Marie, femme de cas, etc., etc. Je vous ai dit amen, bande de cons. Ce film, Le Moindre Geste, dont on m'annonce qu'il a été retenu par le comité de sélection de la Semaine de la Critique et qu'il sera donc montré à Cannes, a bien failli rester enroulé dans ces grandes boîtes de fer blanc qu'on pourrait croire de conserve, comme il en advient le plus souvent de ces enfants anormaux dont le sort s'enroule dans des lieux prévus pour. Kiv, débile profond, est échappé à son sort qui était de demeurer dans une demeure à demeurer. Et que ce drôle de film ne soit pas resté à jamais autistique comme le sont les objets abandonnés, enroulés dans ces boîtes, voilà deux événements qui n'en font qu'un. Le tournage du Moindre Geste s'était étalé pendant plusieurs mois.
José Manati avait commencé un premier montage, puis avait quitté l'aventure. Les boîtes de Rush dorment 2 ans dans une cantine, jusqu'à ce que Jacques Allaire, un ami de Deligny, les confie à Jean-Pierre Daniel, fraîchement diplômé de l'école de cinéma et qui vit à Marseille. Loin des Cévennes, mais Deligny a confiance. Jean-Pierre est fils d'instituteur, communiste et travaille comme éducateur. Avec une idée sommaire du scénario et les encouragements de Deligny, Jean-Pierre Daniel monte tout seul pendant 2 ans une première version muette de 4 heures. Deligny ne regarde rien. Pour les finitions, Deligny demande de l'aide à Chris Marker, qu'il connaît depuis l'après-guerre dans les réseaux de travail et culture. Celui-ci vient de créer la société de lancement des œuvres nouvelles, Sloan, une coopérative qui est, disent les statuts, un outil pour produire des films qui ne devraient pas exister. Il vient de terminer Loin du Vietnam, un film collectif avec Alain Resnais, Jean-Luc Godard et d'autres réalisateurs. C'est Sloan qui prendra en main la production du Moindre Geste et permettra à Jean-Pierre Daniel de terminer le montage et de réintroduire les sons et les paroles de Yves en face des images. Passé de main en main pendant 6 années, le film est présenté au Festival de Cannes en 1971, grâce à l'appui de Chris Marker. J'en ai gardé le remords d'avoir abandonné ce qui me paraissait la trouvaille. Deux mains qui n'y arrivent pas à faire un nœud, qui n'y arrivent pas à n'en plus finir. Sur la 100aine de minutes du film projeté, il aurait fallu montrer ses mains qui n'y arrivaient pas. Car c'était là le drame. Pendant au moins la moitié du temps dévolu, un peu plus de la moitié pour faire bonne mesure. Car enfin, qu'est-ce que ça peut nous foutre dans un film qui a tué qui ou qui n'aime pas qui l'aime? Tandis que les deux mains d'un être humain qui n'arrive pas à faire un nœud, c'est étonnant. Les voitures ravent, les mansardes ravent, le vent poupe. Le vent, la pluie, le tonnerre, et puis ça.
Journal des débats de l'an 8 de la République. Un enfant de 11 ou 12 ans, entièrement nu, quasiment sourd et muet, cherchant des glands et des racines dont il fait sa nourriture, a été rencontré dans les bois de Cône par trois chasseurs qui s'en sont saisis au moment où ils grimpaient sur un arbre pour se soustraire à leur poursuite. Conduit dans un hameau du voisinage, il s'est évadé au bout de quelques jours, gagnant les montagnes, et on ne l'a plus revu. L'enfant dont il est question sera rattrapé et deviendra le héros d'un livre publié en 1806, où le docteur Itard raconte comment il a tenté de le socialiser. C'est ce livre qui vient d'être republié et que Deligny est en train de lire quand, en 1966, on lui présente un jeune enfant, Jean-Marie, 11 ans. Les médecins sont catégoriques. Jean-Marie était un petit garçon instable car ne parlant pas, n'obéissant pas aux ordres, indifférent à la voix, atteint d'une agitation motrice importante. Il ne semblait pas sourd, avait quelques habitudes acquises, pas d'affectivité apparente, connaissait l'usage des objets courants. Il s'agit d'un encéphalopathe profond, présentant des traits psychotiques manifestes. Son quotient mental, pratiquement impossible à évaluer, étant donné son agitation et la dispersion de son attention, pouvait être situé à l'époque aux environs de 0,5. Depuis plus d'un an, vit parmi nous un gamin de 12 ans qui n'a jamais dit un mot de toute sa vie. Il n'est ni sourd ni muet, preste comme un chimpanzé. La seule présence qui le fasse frémir, vibrer, est celle de l'eau qui coule. Source, fontaine ou robinet. Il a toujours vécu au sein de sa famille dans la banlieue HLM de Châteauroux, et voici qu'ici il se met nu dès qu'il peut dans le soleil. Il est beau, sauf quand il se met à grimacer. Enfant singe, comme on parle d'enfant loup. Mais comment tout cela peut-il venir de la banlieue de Châteauroux? Il faut, autour de Jean-Marie, l'enfant sans parole, des présences proches, aussi disponible et constante que l'eau qui coule, et plusieurs, pour qu'elles élaborent entre elles ce langage sans mots, hors les mots, que Jean-Marie pourrait emprunter, qui lui permettrait d'articuler une pensée qui n'aurait rien à foutre de ce satané vocabulaire dont se targue notre espèce, mais qui est la matière même de l'institué. Bref, je ne finirai pas de le décrire et d'en parler. Il est en fait mon maître à penser, puisque je l'ai pris avec nous pour chercher ce que pourrait être un langage non-verbal. Lorsque nous sommes arrivés ici, dans les Cévennes, Jean-Marie cherchait des sources. Il foutait le camp. On ne savait pas où il était. En cherchant où il pouvait être en train de piauler quelque part, je suis tombé sur cette maison. Il y avait juste une fontaine qui coulait devant. Je me suis dit, ce serait bien, il aurait son content d'eau qui coule. Nous avons réussi à louer cette maison, nous nous y sommes mis. Et c'est à partir de là que, quelque temps après, Jean-Marie a de lui-même attrapé le seau pour nous amener de l'eau. Il a été celui grâce auquel on avait de l'eau, puisqu'il n'y avait pas d'eau courante dans la maison. C'est ainsi qu'il est vraiment devenu des nôtres.
J'avais un cendrier d'argile sur ma table, comme ça. Et un jour, où des gens passaient, pour bien leur faire entrer quelque chose dans la tête, je tapais sur la table. Par hasard, Jean-Marie passait par là. Je ne sais pas ce qu'il aperçut de mon doigt qui tapait sur la table. Il est parti, et il est revenu 2-3 heures après, avec les morceaux d'un cendrier d'argile qui était là où j'avais tapé, il y a 2-3 ans. Le cendrier avait été cassé. Les morceaux du cendrier avaient été mis dans la poubelle à papier. Le papier sert à allumer le four à pain. Quand le pain est cuit, la cendre est raclée et elle est portée sur les terrasses là-bas derrière à 200 mètres de là. Donc ça, sur la table, le cendrier manquant évoqué, il a fallu qu'il fouille dans ses cendres, peu de choses près, à l'endroit où il fallait fouiller pour ramener les morceaux du cendrier. Ce geste a fait repère. C'est-à-dire qu'à tout moment, tout le déjà-vu peut affleurer s'il est évoqué. Ce n'est pas de la mémoire comme la nôtre. C'est sûr que ça s'articule et que le contentement alors est manifeste. C'est un chef-d'œuvre, en fait. Sur le territoire, l'autre ne doit plus être parlé, ni décrit, ni écrit. Il s'agit d'une décision radicale, à la racine. Le territoire est un lieu d'asile où les enfants vivent dans un refuge où ils sont à l'abri de la parole. Décembre 1969. Deligny a trouvé son territoire. Il s'enracine dans les Cévennes. La vie possible qu'il y invente avec Jean-Marie, son maître à penser, est un point de départ. Il met en place un réseau de plusieurs aires de séjour, une maison dans un hameau, une ferme, un campement dans un vallon ou sur le flanc d'une montagne. Dans les Cévennes, la seule richesse, c'est l'espace. Pendant une trentaine d'années, des dizaines d'enfants vont vivre dans ce réseau. À l'écart de toute institution et de la moindre subvention, une guérilla. Jacquelin est le premier à avoir choisi la vie aux côtés de Deligny et des enfants autistes dès 1967. Il ne savait sans doute pas à l'époque que son choix l'entraînerait jusqu'à aujourd'hui. Quand ça a commencé quand même à se mettre en place, l'accueil des gamins. Il y a quand même une formule qu'il employait, que j'avais retenue, c'était initiative populaire. Quand il me parlait, il employait ce terme, c'est une initiative populaire. Parce que c'est vrai que les uns et les autres que nous étions, il n'y avait pas ni de médecin, ni d'étudiant, ni de... Guy était un paysan de l'Allier, Gisèle Annie, arrivée de Saint-Jean-du-Gard, fille d'émigrés espagnols, et moi j'arrivais de l'usine. Enfin voilà, on n'était pas des gens, pas des spécialistes, pas des professionnels. On a toujours eu affaire à des enfants mutiques, hein, complètement mutiques, ils ne parlaient pas du tout. Donc, avec des comportements des fois étranges. On se demandait pourquoi tout allait bien, puis d'un seul coup, ça, quelque chose n'allait pas. On s'est aperçu très vite, contrairement bien sûr à la pensée générale, qu'il fallait à tout prix s'adresser à eux. Dès qu'on s'adressait à eux, pour certains, il y avait des réactions violentes, ils se mordaient, ou ils n'étaient pas... Enfin, on voyait vrai que d'un seul coup, ils étaient perturbés. Donc il a bien fallu chercher un mode de vie qui fasse qu'il soit paisible, tranquille. Pas oublier qu'on vivait
24 heures sur 24 avec eux et 365 jours par an. Hein. C'était tout le temps, tout le temps. Pendant ce temps-là, nous, on était aux prises les uns les autres. On n'était pas très nombreux. 5, 6, là, 7. Avec ces arrivages de gosses psychotiques dans un état assez spectaculaire. Quoi. Ils s'asseyaient sur les braises, attrapaient l'eau bouillante. Et Jacques, qui avait en vitesse installé une aire de séjour pas très loin d'ici, là, dans le bas, il était affolé, quoi. Il avait 3-4 gamins autour de lui. C'est vraiment affolé. Il me racontait non seulement les catastrophes qui avaient failli se produire, mais celles qui se produiraient certainement tout à l'heure. Donc s'il me les racontait, c'est parce qu'il supposait que j'y pouvais quelque chose. Et là, j'ai pas été franc du collier. Je lui ai pas dit que j'y pouvais rien. Et je sais plus pourquoi. Je lui ai dit, au lieu de me raconter tout ça, dont je voyais vraiment pas ce qu'on pouvait faire, je lui ai dit, t'as qu'à garder les traces de leur trajet sur le petit territoire qui est le tien. Voilà. Alors il a commencé très soigneusement, sur un papier transparent, transcrire d'une façon scrupuleuse ce que je ne lui ai même pas demandé. Les traces étaient scrupuleuses, heureusement. Je dis ça pour dire à quel point c'était pas fait exprès. Hein. Et là, on voyait bien les lignes d'air donc, de tous les gamins qui étaient tracés sur ce papier transparent. Tracer la ligne d'air. Suivre la ligne d'air qui fraye la voie pour un regard autre envers les choses du coutumier. Tracer la ligne d'air permet de s'apercevoir, de revoir, ce qui échappe au premier regard. Nous vivons dans le temps, projet. Ils vivent dans l'espace. Les calques avec les lignes d'air s'accumulent. Dans la vie quotidienne de chaque territoire, où les activités se répètent avec régularité chaque jour, les cartes permettent de voir là où les enfants autistes sont attirés par une activité ou un objet. Les cartes permettent d'imaginer une nouvelle organisation de l'espace, là où de nouveaux gestes feront repère. Peu à peu, au-delà du langage, la vie coutumière devient une vie commune. Gisèle Durand-Ruiz avait assisté enfant au tournage du Moindre Geste. Dès 1969, et ce pendant 10 années, elle a tracé, rangé, classé les cartes et les calques des lignes d'air. Deligny l'appelait la gardienne des cartes. Les petits bonhommes verts, ce sont... Avec les lignes d'air, c'est les trajets d'un gamin qui s'appelle Dany et qui bouge énormément sur le territoire. Il marche beaucoup et il suit son doigt. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Voilà, il suit son doigt, il est toujours en train de regarder son doigt. Et puis là, il suit et il marche et ça peut aller de partout. En plus, on voit sur ses trajets,
La représentation qui serait une petite main avec un tout petit point noir sur un doigt. Au bout de son doigt, il avait toujours un petit anneau qui pouvait tenir sur son doigt. Les images Super 8, c'est un adulte du réseau, une présence proche qui les filme. Les parents font développer la bobine et la regardent une fois rentrés chez eux. Une manière d'aider les parents à percevoir un peu l'univers de leur enfant pour qu'ils se remettent à espérer qu'ils peuvent aussi en assumer la présence.
comme 20 ans auparavant, la caméra, outil pédagogique. Il faut bien comprendre que notre position ici est de vivre proche d'enfants mutiques, d'essayer de faire une brèche concrète dans ce qu'une société propose pour ces enfants-là. Nous cherchons, et ça, bon, je peux dire « nous cherchons », mais parce que c'est la manière la plus simple d'expliquer ce que peut être une tentative qui n'a rien à voir avec une cure ou des soins. C'est la recherche constante des circonstances qui pourraient permettre. Permettre, il faut s'entendre sur les mots. Permettre, ce n'est pas donner la permission, c'est donner les moyens. Permettre, ce n'est pas dire « oui, tu peux », parce que si ça suffisait, ben, ça se saurait, ça serait facile. Mais quoi, dans les circonstances, peut permettre à un individu d'exister ? L'image, c'est l'image. Le langage, c'est le langage. L'image ne devient pas langage. Et l'inverse non plus. Et il faut s'y faire. Bon. C'est du même ordre que quand je disais à propos des gamins autistes, et c'est le passage qui passe pas, justement, quand je prends des thèses ou des mémoires sur ce que j'ai pu écrire, c'est la différence entre agir et faire. L'agir ne devient pas du faire. C'est qu'un gamin autiste, dont on peut dire que ce qu'il agit est d'agir, étant donné que nous, ce que nous agissons est de faire. Nous faisons quelque chose. Hein? Bon, c'est l'intention. Ça, c'est le langage. Nous faisons quelque chose. Hein? On fait la soupe, on fait la vaisselle, on fait je sais pas quoi. Un gamin autiste qui est là et travaille, ne fait rien. Ne fait rien, c'est de l'agir. Et ça se voit très fort. Bon, ça se voit pour qui ? À l'œil. Pour qui vit avec des gamins autistes ? Il ne saisit rien de la fin. Il saisit, c'est la séquence de gestes qui est repérée. Alors, impeccable. C'est-à-dire que ces gestes nous sont réitérés, mais bien mieux que ce que nous ferions si on le faisait. Il n'imite pas, c'est repéré. Mais c'est tout à fait différent. Hein. Il, pour imiter, il faut il. Or, Jean-Marie n'est pas il. Il n'est pas il du tout. C'était il, ce Baptiste. Deligny et Truffaut ont en commun le livre du docteur Itard. Deligny le lisait quand on lui avait présenté Jean-Marie. Truffaut veut l'adapter pour en faire un film de fiction. Quand la préparation de L'enfant sauvage débute, Truffaut pense à Jean-Marie que Deligny lui avait décrit comme étant le frère jumeau de Victor. C'est bien Victor, c'est bien, c'est toi Victor. Mais il cherche un enfant qui puisse écouter, répéter et jouer,
toute chose dont Jean-Marie est incapable. Truffaut doit se rendre à l'évidence. Jean-Marie ne peut être que Jean-Marie. Bon, j'ai raté celle-là, la lettre est partie, mais une autre à la place. C'est un texte médical, en même temps, c'est un texte d'expérience scientifique, voilà, et nous n'avions pas d'autres éléments pour construire l'histoire avec Jean Greuhaut. Mais une fois que nous avons surmonté cet obstacle, en imaginant d'ailleurs que Itard avait tenu tous les soirs son journal quotidien, ça nous a donné une forme de narration, une espèce de chronique. À ce moment-là, le problème de scénario était résolu. Pour la première fois, Victor a pleuré. Cut. L'enfant sauvage de Truffaut ravive en Deligny le désir d'un film, comme une réponse à la fiction qui raconte l'apprentissage impossible du langage par Victor. Ce sera un documentaire sur la vie du réseau autour de Jean-Marie, sur une vie possible hors du langage. À François Truffaut, je me dis qu'un de ces jours, il va falloir s'y mettre à ce film-là. Nécessaire à un double titre. Pour que tout un chacun y lise qu'un enfant fou n'est pas à mettre au rebut et que nous avons bien besoin de ce qu'il peut nous révéler. Pour que cette tentative qui persiste soit pourvue de cet organe indispensable qu'est une caméra. Je vous l'ai déjà dit, tant pis si je rabâche. Amitié de Ligny. Ce gamin ne marchait pas, il courait. Talon jamais posé, inlassable, infatigable. C'est pas normal d'être infatigable. Le trou du loup, l'enfant sauvage. En plus, voilà qu'il aboie. Un aboie rauque. Un aou. Allez savoir comment ça s'écrit. Et il lui arrivait aussi de se cogner la tête contre un mur, violemment. D'autres enfants nous étaient advenus semblables à celui-là par certains traits, certaines manières d'être. À croire que la vacance du langage les fait jumeaux, ces enfants-là. Et nous avons pris position. Nous n'étions jamais que quelques-uns en petites unités éparpillées dans les monts de Paris. Il fallait tenir, et de jour, et de nuit, malgré l'invivable, l'insupportable. Dans les vagues, dans les monts érodés de la chaîne hercynienne, quelques radeaux d'après le désastre. Désastre, le langage a disparu, comme on le dirait du soleil. Et nous, à vrai dire, bien désemparés, mais tenaces, il finirait bien par le percevoir que nous y étions là, proches. Nous, de chair, de sang et d'os. Et peut-être d'autres choses que de langage. Pour tourner Ce gamin-là, c'est le nom du film, Deligny choisit comme réalisateur Renaud Victor. Renaud n'a jamais fait de film, c'est un autodidacte. Bouleversé par une projection du moindre geste, il a voulu rencontrer Deligny avec un projet de film sur la folie. Il est prêt à venir vivre dans les Cévennes avec femme et enfant. Deligny voit en lui le cinéaste idéal, capable de s'engager pleinement dans la vie du réseau. Renaud sera le preneur d'images, comme dit Deligny. Et c'est moi, en cinéaste militant et devenu son ami, qui lui apprend le maniement de son arme.
Je me souviens d'une après-midi à Valrhogue, dans une fête foraine. Renaud tourne une longue séquence documentaire. Il enchaîne les déplacements, imagine des raccords. Mais avec de la pellicule voilée. Pellicule et laboratoire coûtent trop cher. Sur l'insistance de Hélène Vager, une productrice qui soutient le projet, Truffaut accepte de coproduire le film. Dans le dossier pour le Centre du cinéma, il écrira « On a quelquefois l'occasion de participer à la réalisation de beaux films, plus rarement à celle de films nécessaires. » Il réunit à ses côtés Yves Robert, Claude Berry, Jacques Perrin et quelques autres. Entre mécénat et coup de poker, 8 producteurs réunis pour un film fauché. À François Truffaut. Je ne prends pas ce film à la légère, croyez-moi. Depuis que, grâce à vous, ce projet d'en faire un de film tient bon. Tout le réseau d'ici vit un remue-ménage afin que ce que nous appelons notre coutumier se prête à être vu. Ces efforts n'ont pas été vains. Comme vous le dites dans votre lettre, les images sont bien meilleures. Le film prend forme. Je dois reconnaître que sans l'acharnement de Renaud Victor et le respect qu'il manifeste envers cette démarche, qu'il vit lui-même quotidiennement, les choses n'en seraient pas là. Je vous remercie encore d'en être de ceux sur qui je peux compter dans cette démarche, en marge, à l'écart de tout un monde de relations pourtant nécessaires. Sentiment sincère de Ligny. Quand ce gamin-là sort à Paris, au Saint-André-des-Arts, c'est un succès. La vie du réseau, la présence des enfants autistes et la parole de poète de Deligny fascinent et rassemblent un large public. Suffisamment important pour que Simone Veil, ministre de la Santé, propose à Deligny un statut expérimental qui le sortirait de sa précarité. Proposition que Deligny refuse. Jamais il ne fera partie d'une institution. Il tourne. Il tourne soit sur lui-même, les mains dans le dos. Ça se dit qu'un gamin tourne mal. Lui, il tournait sans cesse. Sur lui-même. Voilà ce que le langage nous fait dire. Il tourne sur lui-même. Mais si ce fameux lui-même est en fait absent, vacant, cet enfant-là tourne autour de rien, sur rien, éperdument, perdu. C'est donc qu'il le chercherait, ce lui-même, qu'il se chercherait. Nous n'avons pas pris cette piste-là. Ce gamin l'a tourné, ni bien ni mal. Au-delà, par-delà, le bien et le mal qui sont l'affaire de la parole. Pas l'ombre de l'autre, jamais, dans le champ de son regard. Ce que je me suis dit, et que j'ai dit et redit à nous autres, c'est nous qu'il cherche. Et nous, nous y étions là, proches, attentifs, étonnés, inquiets, émus. Nous, des êtres pensants, êtres de langage. Mais puisque le langage ne porte pas, puisqu'il ne l'a pas, ce gamin-là, qu'il n'y entend rien, alors
La différence est énorme. La distance, infinie. Jean-Marie a vécu une trentaine d'années aux côtés de Fernand Deligny, qui meurt en 1996. Dans la semaine qui suivit sa mort, à plusieurs reprises, Jean-Marie est allé ouvrir la porte de son bureau. Deligny n'y était pas. Et Jean-Marie a repris le cours de sa vie coutumière. Thank you.